mission TV. Le délai d'existence n'a pas été respecté. Le délai décidé à comparaître n'a pas été respecté, votre honneur. Doit-on les juger puisqu'il s'appelle Christian Bossembe en violation de l'article du fort? Non, je ne crois pas. Monsieur Bosson, je ne souhaite pas comparaître volontairement. Je souhaite assister à mon conseil. Donc, on vous envoie une invitation. Je vous remercie. Le délai qui assure la défense, parce que devant votre tribunal, votre loi dit la procédure est écrite et contradictoire. Ce délai-là, c'est pour assurer à la partie qui est citée à comparaître à se préparer pour rencontrer l'accusation. Mais ici, le délai n'a pas été respecté. Certains articles, quand il dit que le tribunal doit configurer l'auto-saisine du journaliste Christian Bossembe, aussi longtemps que le Christian Bossembe est au devant du tribunal, et devant s'est prononcé saisi, l'invité, c'est-à-dire le tribunal est bien instruit. Nous prions au tribunal de paix. Parce que vous jugez votre confrère qu'il a garanti un procès équitable écoute des textes qui régissent le fonctionnement du tribunal. Avant l'instruction de la cause, il plaira d'abord à votre tribunal de paix de vérifier sa saisine par rapport à l'article 58. Parce que les droits de la défense de Bossembe qui est cité ont été violés. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le membre du tribunal. Je sais que je suis en possession de la loi de votre tribunal. La question du tribunal à M. Christian Bossembe. Tu es assisté d'un avocat. Il a dit au tribunal oui. Ma mission TV. Le... Avant de commencer l'instruction, il vous faut verser les frais de l'instruction qui reviennent à 20 dollars pour le journaliste. Parce que aussi, parce que chaque fois, on a l'habitude de s'exprimer. Maître Dimoukati, du barreau de la bombe. Est-ce que, avant l'arrestation, vous pouvez nous prouver que vous êtes en présentant votre carte devant le tribunal? Merci. Devant le tribunal, lorsque l'avocat est porteur de pièces, il est cru de ce parole. J'ai parlé, je crois que je me suis fait entendre. Devant le tribunal, de surcroît, de mon ressort, je suis avocat devant la cour d'appel. Monsieur le Président, je peux m'exprimer. Je suis avocat devant la cour d'appel de Kinshasa Gombe. C'est mon ressort. Devant toutes les juridictions, je plaide porteur des pièces, je suis cru. Ma touche d'avocat est amplement. Non, celui qui l'amène sans l'être avocat, on va l'arrêter. Dans mon ressort.
Puisque c'est lui d'accord. Dans la réalité, il y a un avocat ici. Il y a un avocat ici. Merci, monsieur le président. Pourquoi l'as-tu demandé? Alors, en l'absence d'une pièce avant la clôture des débats, on peut toujours promettre de déposer au même coup. Parce que les barreaux déroulés, moi j'ai la facilité de vérifier, de connaître parce que j'évolue. Je connais un peu un certain nombre d'avocats, j'ai des entrées au niveau du droit de l'ordre. Les concernant personnellement, j'ai pu vous certifier qu'il est avocat régulier. Mais je pense que votre demande n'est pas considérée comme une demande téméraire. C'est une demande légitime parce que vous n'avez pas dans vous n'êtes pas de parti commun ou le pauvre tribunal. Vous avez le besoin qui se pose pour identifier tout celui qui se pointe devant vous comme avocat. Comme l'a fait Christian Boussembe, qui est durée de journaliste, mais quand même il s'est fait, il a prouvé sa qualité de journaliste devant ses pairs en produisant la carte de presse. C'est la position que je vous ai apportée à l'intention de mon confrère pour qu'à l'avenir. Tu tiens compte de ça. J'aurais bien voulu que ça soit important de ce qui vous est. N'est-ce pas? D'aligner un comportement digne par rapport à votre profession, de ne pas être trop agité. Nous avons bien commencé, il vaut mieux qu'on termine bien. C'est un conseil. Pour ne pas être trop agité. Ok? Si vous avez besoin de la parole, en train de parler par rapport à ce que je m'ai senti. J'aurais pu simplement, en étant modeste, en disant que non, effectivement, peut-être que j'ai oublié par ailleurs, mais je promets que je vais faire la pièce. Alors je prends un engagement ferme de retrouver je pense, la qualité de l'avocat. Voilà. Il est de mon devoir, en tant qu'avocat, que devant le tribunal spécial ou de droit commun, que je sois vêtu en toge pour porter la voix de mon client. Ce que j'ai fait, mais conformant à la loi. Que dit la loi? La loi dit, lorsque l'avocat est porteur des pièces de son client, il est cru sur parole. La question du tribunal à M. Christian Boussembe, tu es assisté d'un avocat, il a dit au tribunal oui. À mon sens, mais conformant à la loi sur le barreau. Et à défaut, m'exposer aux poursuites pénales pour usurpation de la qualité d'avocat, je ne peux pas me le permettre de venir devant votre tribunal sans égard porter la parole au nom d'un client. Je ne le ferai pas. Je ne suis pas agité, monsieur le président. Les confrères qui parlent, nous nous connaissons très bien. Il a témoigné que je connais. L'avocat est fragile à voir. Il sait. L'annuaire du barreau est dans tous les bureaux. Chaque année, c'est renouvelé. Tout ça, on ne prend pas d'engagement. Je ne peux pas prendre l'engagement de produire ma pièce lorsque je suis en toge. C'est mon habit de travail. Quel engagement dois-je prendre de plus? Est-ce que vous détenez une carte de maison? Je suis avocat. Je vous demande si vous la détenez. Je suis avocat inscrit au tableau. Amenez donc votre carte. Au moins vous l'avez. Même si vous ne la présentez pas au moins, vous l'avez. Quand on n'a pas la carte, et on doit être omis. J'ai dit que je suis avocat inscrit au tableau. Monsieur, vous êtes venu verser les frais. Je parlais à vous. Vous
frais d'instance. Il faudrait que c'est la règle. C'est quoi cette règle? Je crois que c'est mon avocat. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le membre du tribunal. Je sais que je suis en possession de la loi de votre tribunal qui régente la procédure comme dans le cas sous-examen. Avant l'instruction de la cause, il plaira d'abord à votre tribunal de pair de vérifier sa saisine par rapport à l'article 58. Parce que les droits de la défense et Bossembe qui est cité ont été violés par rapport à la saisine. C'est ainsi que nous prions au tribunal de vérifier sa saisine avant de procéder. Parce que les frais administratifs qui sont qualifiés ici dans la citation ou dans les règlements disent que c'est quand on veut procéder. Or, on ne peut pas procéder sans vérifier la saisine si elle est en état. Ainsi, nous prions au tribunal des pairs. Parce que vous jugez votre confrère que la garantie d'un procès équitable découle des textes qui régissent le fonctionnement du tribunal. Nous avons dit. Éclairé, dans la terme de l'avocat conseil du confrère Christian Bossembe, la façon dont il interprète certains articles, quand il dit que le tribunal doit configurer l'autosaisine du journaliste Christian Bossembe. Aussi longtemps que Christian Bossembe est au devant du tribunal, et devant s'est prononcé saisi, il a invité, c'est-à-dire le tribunal est bien instruit. Il a pris du temps de comprendre les dossiers pour lesquels il doit inviter le concerné au devant de lui. Alors, si peut-être à votre niveau, vous pouvez éclairer l'avocat conseil pour lui faire voir que le tribunal est réellement saisi, raison pour laquelle il a émis l'invitation invitant notre confrère au devant de lui. Statut particulier. Oui, statut particulier. Tu disais, le président du tribunal de paix invite à comparaître par écrit, comme on l'a fait ici, fait le 9 septembre 2021, invite à comparaître par écrit le journaliste ou l'organe de presse présumé fautif. Au moins, 7 jours avant sa comparution, le président du tribunal. Vous utilisez les textes. C'est le même texte que nous avons. Oui. On vous est sous. Pardon? On vous suit 7 jours avant sa comparution. Donc, j'ai lu. Oui. Le texte est également sans communiqué. Non. Le président voudrait qu'il lise l'intégralité. Pour l'audition de l'assistance aussi, n'est-ce pas? Oui. Merci, président. Vous allez peut-être être un peu compréhensif envers moi. Parce que quand un avocat travaille comme ceci, il peut lire, revenir pour une meilleure compréhension avant de citer. C'est des pratiques. Oh. Okay. C'est des pratiques. Okay. Le président
du droit de paix invite à comparaître par écrit le journaliste ou l'organe de presse présumé fautif au moins 7 jours avant sa comparution, sauf en cas de force majeure. Monsieur le Président, je crois que le texte, on me l'a revendiqué ici pour savoir si c'est celui que vous avez. Je me rends compte que le tribunal a le même texte que moi. La convocation de votre tribunal, que j'ai ici, signé président Kaboulo, Mwana Kaboulo, secrétaire rapporteur Baelingue Mireille, Baelingue Mireille. Irene. La signature vraiment a tout effacé. La convocation est arrivée, est du 9 et est arrivée le 9. Lorsque l'article 57, non 58, parle de délai d'au moins 7 jours, le délai en droit, il faut imputer les jours de sa réception et les jours de la comparution. On va compter les 7 jours entre les deux dates. Cependant, nous nous rendons à l'évidence que si on enlève les 9 et les 14, nous restons avec 4 jours. Donc, le délai qui assure la défense, parce que devant votre tribunal, votre loi dit la procédure est écrite et contradictoire. Ce délai-là, c'est pour assurer à la partie qui est citée à comparaître à se préparer pour rencontrer l'accusation. Mais ici, le délai n'a pas été respecté. Et partant, les droits de la défense. Votre tribunal de paix, qui juge un confrère, pas mon confrère à moi, mais de la corporation, ne peut pas, pour juger un confrère, se mettre en marche de la loi et de sa loi. Vous allez me dire, non maître, notre insistance pour terminer la lecture de l'article 58 était pour peut-être te faire comprendre que, sauf en cas de force majeure, allait tenir. Non. La force majeure, monsieur le président, monsieur le membre du tribunal, madame du tribunal, la force majeure est un cas imprévisible. Autant l'effet de prince. Mais ici, tout a été prévu. Tout a été prévu. Lorsque la procédure, la loi du fort, comme on l'appelle en droit, la loi du tribunal, oblige qu'on assure aux accusés un procès équitable, c'est le tribunal qui doit d'abord commencer par respecter sa propre loi pour dire on demande de les convoquer dans au moins 7 jours. Le 9, il va comparaître le 18. Le délai de 7 jours, y compris. Et la conséquence, c'est que le droit de la défense a été respecté par le tribunal. Parce que votre tribunal, il est de pair et il est objectif. Il doit être lié à la loi. La Constitution, qui est la mère des lois, dispose que le juge que vous êtes, vous n'êtes soumis qu'à l'autorité de la loi. Mais voilà ce que dit la loi. Le délai d'existence n'a pas été respecté. Le délai de cité à comparaître n'a pas été respecté, votre honneur. Doit-on les juger puisqu'il s'appelle Lucien Bossembe en violation de l'article du fort?
Non, je ne crois pas. Parce que votre tribunal, il doit dire les droits. Quand on dit les droits, on les dit dans les règles de l'art. Je vous remercie. Ok. Par conséquent, le tribunal s'adresse à M. Serré. En lui posant une question simple. Si M. Serré veut paraître volontaire, le tribunal, dans le cas contraire, le tribunal doit vous adresser une nouvelle convocation. Mais surtout, je pense que c'est au tribunal. Monsieur le Président, je ne souhaite pas comparaître volontairement. Je souhaite être assisté par mon conseil. Ok, donc on vous envoie une invitation. Je vous plaise. À partir de demain, et nous allons tomber dans les délais. Le tribunal est souverain, monsieur. Merci, maître. Merci pour votre présence. Merci, cher confrère. Nous allons travailler sans problème, sans pression. Merci. Vous reviendrez et vous ressortirez vivant. Voilà. Merci. Média, je vous remercie également pour votre participation. Il ne faut pas en venir et puis avec les tribunaux. N'aime pas vous. Ok, vous êtes un jeune journaliste. Merci pour votre présence. Merci pour votre assistance aussi également. N'est-ce pas? Vous aviez peur de dire aujourd'hui, M. Bakoufi. Bon, la diffusion doit être en nom commun. Ouais. Pour respecter ce qui s'est passé à l'audience. Okay. Pour ne pas émettre des commentaires dans un sens ou dans l'autre. Ma mission TV.